the title. It's very economical in English, but in French it could pertain or mean something different if you translate the title into English. So I was wondering if you could discuss why the title is what it is en français. Because it's custody in English, but in French it's... Yes. Jusqu'à la garde. Parce que c'est une expression française. Ok. Jusqu'à la garde. Ok. Jusqu'à la garde, il y a plusieurs sens. Le premier sens, c'est jusqu'à la garde de l'épée. Quand on enfonce une épée dans un corps, il y a la garde, oui, pour protéger la main. Donc c'est au plus profond. Oui. Voilà. Et c'est une expression aussi qui se dit pour je vais t'emmerder jusqu'à la garde. Oui. Voilà. Yes. Et il y a une expression aussi sexuelle qui est jusqu'à la garde d'Ipso, quoi. Donc la domination masculine. Voilà. Il y a bien sûr jusqu'à la garde de l'enfant, parce que c'est une histoire de garde. Of course. Jusqu'à la garde, il a l'air d'être un père exemplaire, en tout cas, et qu'à partir du moment où il l'a, c'est là où on va découvrir son vrai visage. Yeah, there's a lot of double meanings, oui. And I think it's a lot more interesting because of that. Discuss how the short film in 2013 and this film, what should people's rapport be to those two films together? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est deux temps différents. Dans le premier, c'est la fuite de la violence conjugale, et donc là, on est dans une sorte de film d'action qui se déroule en 30 minutes, en une seule journée, où cette femme doit trouver les moyens de s'enfuir. L'autre est plus long, parce qu'il y a un dispositif plus compliqué avec l'histoire de la garde de l'enfant. Maintenant, comment on les perçoit, je pense que c'est deux documents complémentaires, mais deux choses différentes. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, j'encourage les gens à regarder le court après avoir vu le long. Oui. C'est plus intéressant, mais en même temps, même si on connaît le court, ce qui est intéressant de voir dans le long, c'est comment il réussit à berner tout le monde, et c'est de voir le mécanisme de cet homme, quoi. Donc, je pense que l'un dans l'autre, on peut le regarder dans un sens ou dans un autre. C'est deux objets différents, mais qui se complètent vraiment. You choose to begin the film with not the bureaucratic process, but the very legal process. I thought that was such an interesting way to commence this storyline. Normally, you would see a little bit of backstory. Tell me about that specific facet in writing this project. C'est venu assez tôt, ça me paraissait évident de commencer par une scène aussi radicale, parce que c'est 20 minutes de gens qui parlent autour d'une table. Je trouve que déjà, cinématographiquement, c'est un défi. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est de, justement, pour avoir le doute et pour mettre le spectateur dans la place du juge, c'est que ce sont les avocats qui font le background de l'exposition des personnes spectateurs as well. Yes. And the spectator as well. And I think that's what the brilliance is about that scene, because you're pivoting as you're receiving more information. The spectator is placed in the seat of the judge. We're almost the children in a way. And I thought Let's that was talk really about really the framing. I was thinking about Robbie Ryan's work a little bit, tight frames into small spaces, specifically in the third act and the climactic scene. But I'm also thinking about the car scene when the camera puts focus on I think it's Julien, le petit Julien. Mm-hmm. So that's what I appreciate about this film is that, and not that there's no any stylistic, strong stylistic choices, but I think you make a concerted effort on and placing these people in perhaps a tighter frame as the film progresses, excluding the party scene. I was wondering if you could talk about that vantage point a little bit. Oui, c'était une décision symbolique aussi de mettre les personnages dans des endroits confinés. Mm-hmm. On voit que dans l'appartement, à aucun moment nous avons une vue sur une fenêtre. Alors qu'il a l'air très éclairé, on ne voit pas l'extérieur, puisque c'est une violence qui se passe à l'intérieur de la maison. Mm-hmm. In the apartment, by example, we don't see light from the outside. No light from the outside. We don't see any windows. We know the apartment is fairly well lit, but it's all set up inside to intensify the violence,
pour intensifier la violence. En fait. Bah, pour montrer que c'est une violence qui se passe en privé. Xavier, if somebody were to ask me who the protagonist is in this film, I'd have a lot of trouble pointing to one of the four characters. I think it really is a four strong protagonists, leads or co-leads. Perhaps reflecting on the cinema that you appreciate and perhaps your approach, was that something you were looking to do, sort of like sharing that burden, that family burden? Was that a goal perhaps of yours to not say this is this person's story? Oui, c'est comme ça que dès l'écriture ça s'est construit, c'est-à-dire qu'on suit un personnage qui est le père, mais du point de vue de ses ennemis, donc qui est la juge, pour avoir la garde de l'enfant, l'enfant pour le manipuler, pour atteindre la femme qui a décidé de se séparer de lui et qui ne supporte pas. Sort of mirrors he mirrors some of the choices that his father does in terms of manipulating information. He's preteen. He's still a child, and I thought that was really interesting how complex and complicated he is as a character. Yeah, j'ai rencontré beaucoup d'anciennes victimes de violences conjugales qui m'ont parlé aussi de tous les problèmes que la séparation et la garde d'enfants ont été pour elles. Yeah, he met a lot of people victim of violence like that, and talk about their separation and their experiences. Mm-hmm. Et des psychologues ou des assistantes sociales qui ont géré des situations et des familles comme ça, elles m'ont bien évidemment décrit un peu comment les enfants vivent ces situations. Il y a plusieurs réactions, situations, et j'en ai retenu une, celle qui est de Julien, qui certains enfants, comme Julien, développent un syndrome d'hypervigilance. Hypervigilance dans le sens où il comprend à son jeune âge qu'il est le moyen pour son père d'atteindre sa mère, donc il essaye de protéger sa mère et d'éviter toute rencontre. Il est hyper aware that his dad is trying to use him to target the mom. Yeah. You know, he's very aware of the situation. And of course, he wants to protect his mom. So he's working with all those feelings. Il empêche la rencontre, quoi. Yeah. He's working to avoid the meet between both, between the dad and the mom. He doesn't want to see them to meet. The word, know, the mom is always away, she's never there. Yeah. and the word in French is fardeau. He's got a huge weight on his shoulders. It's really a big stuff, fardeau's burden. Yeah. Yeah. So let's talk about his sister. One of my more favorite scenes is the sort of, is her 18th birthday. There's a lot of choreographed anguish and chaos without reverting to things that we've seen a billion times before. There was a really special cocktail there. I was wondering how you map that in terms of the writing. Bah, pour la scène, particulièrement l'anniversaire, c'est vrai que tout ce qui a été filmé a été écrit. Mm-hmm. For the birthday party, everything that had been shot was written, scripted. J'avais déjà décidé à l'écriture que ce serait une scène où on n'entendrait pas de dialogue puisque il y a la musique qui est très forte. Yeah, so he already decided that during the birthday party there wouldn't be any dialogue because the music is so strong and so loud, so no dialogue for this. Et puis comme c'est un film, comme mon court-métrage, où il n'y a pas du tout de musique, je me suis dit, ben là, on va en mettre à fond. Yeah, so it was also a good way to put the music, because the rest of the movie, like the short movie, there is no music at all. There is no music at all, but in this one, there is plenty of it. J'ai eu meilleur premier film et meilleur réalisateur. Yeah, best first movie and best director. So, like, tell me about the everything that happens, you project the film, it's no longer your film, it belongs to the world. And then perhaps all the blitz, the excitement, this is a big festival and it's big awards.
What does that mean, represent to you? I mean, it's a silly question, but... C'est une reconnaissance d'un travail qui a été vu et apprécié par des professionnels et avec des directions artistiques très différentes. Donc, mm-hmm. C'est incroyable et c'est une fierté pour toute mon équipe. Thank you very much for this film, and looking forward to seeing its film festival life and where it goes, especially for international audiences, not just domestic audience. So,